moi. Tchétiki Bouba dans tes griots de la cour royale de Monzondjara. Témoin vivant d'une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Ma parole est pure et dépouillée de tout mensonge. À cause de mon franc-parler, on me traite de véridique, intègre, fidèle, loyal et prêt au sacrifice ultime pour la cause de Ségou. Je raconte l'histoire de nos ancêtres, afin que la vie des anciens nous serve d'exemple. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Yaye seguye che farindudo, yaye seguye ngayoro kwa zande. Yaye seguye sido jarani basando, yaye seguye ngayoro kwa zande. Yaye seguye che farindudo, yaye seguye ngayoro kwa zande. Écoutez une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Ségou, avec ses quatre grandes sorties, ses quatre grandes entrées et ses neuf villes soninkées. Ségou, la cité des 4444 Balanzans et le Balanzan Boussi que même tous les autochtones ne connaissent pas, à plus forte raison, un simple étranger. La vie est extraordinaire et pleine de surprises. Aujourd'hui, à Ségou, ces deux femmes affirment être toutes les deux la mère biologique de cet enfant. Noble Altesse, cette femme n'est pas la mère de mon enfant et elle le sait très bien. Pourquoi fais-tu voler mon enfant? Du calme. Calmez-vous. Ô roi, devant les arguments des deux parties, il est difficile de savoir la vérité dans cette histoire. Kentigiba Dante, tu es mon premier conseiller. Qu'en penses-tu? Monzon, tu es le maître des eaux et des Bamana. Tu es le maître de la grâce et de la mort. À mon humble avis, cet enfant ne mérite pas de vivre. Comment cela? Cet enfant porte certainement une malédiction pour opposer ainsi deux braves femmes. Pour ne pas opposer un jour la moitié du royaume. Je pense qu'il ne mérite pas de vivre une minute de plus. Kentigiba Dante, en raison de ton immense culture, de ta connaissance de l'histoire et des hommes, j'accepte. Oui. J'accepte ton verdict. Oumu, l'enfant sera mis à mort. Qu'en penses-tu? Je me remets au jugement du roi. Noble assemblée, avez-vous entendu? Oumu accepte le verdict du maître de la grâce et de la mort. Et toi, Sayo? Ne tuez pas mon enfant. S'il porte une malédiction, c'est ma faute. Prenez-moi à sa place. Grand roi, le lien sacré du sang maternel nous a permis de savoir la vérité. Oumu, pourquoi voulais-tu nous tromper? Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'implore votre clémence. Pitié. Le sort de cette femme est entre tes mains. Car tu sais être ferme sans céder à la cruauté. Tu sais être magnanime sans tomber dans la faiblesse.
Père. Avec votre permission, je suggère de punir le vaincu et de récompenser le vainqueur. Mon fils Banama, tu es l'organisateur de ce spectacle. Tu as donc carte blanche pour agir. Allez. Oh, grand roi, un messager de Ségou désire vous parler. Qu'il entre. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je suis le messager de la lumière qui éclaire Ségou. Je parle de Mozan, le grand baobab qui protège Ségou du soleil. Ici, nous sommes au Karta. Délivre-nous ton message au lieu de raconter ta vie. Je ne suis pas un bouffon, mais plutôt l'envoi du maître de la vie et de la mort. Il a peut-être bu de la bière de mille avant de venir ici. Prends garde, sinon ta bouche sera fendue et ta langue tranchée pour ton insolence. Un messager doit avoir le courage de rapporter fidèlement ce dont l'a chargé. Tranchez ma tête si cela vous chante. Mais avant tout, écoutez le message de Mozon. Parle, je t'écoute. Mozon veut savoir pourquoi tu as attaqué Nyamina, la cité des marabouts, sous sa protection. Mozon a-t-il oublié qui il est? Avez-vous entendu les propos de ses fils d'esclaves? Réfléchis encore. N'humilie pas Mozon au point d'en faire un esclave. Là, tu risques de t'exposer à sa colère et le regretter amèrement. Cette fois, ta bouche sera fendue et ta langue tranchée pour ton insolence. Prenez-le! Ne touchez pas à un seul de ses cheveux. Ce n'est qu'un simple messager. Nul ne peut prendre le lionceau et prétendre avoir un sommeil paisible. Attendez-vous à sa colère. Comme tu sais si bien faire les messages, va dire à Mozon que je n'accepterai jamais qu'un fils d'esclave me dicte ma conduite. Et qu'ici, au Karta, il ne peut prétendre qu'à une place d'esclave au service de mes épouses. Zondjara, marche fièrement, tu es l'espoir de tout Ségou. Funatigini funentamanga. Djara, le maître des eaux et des bamana, le maître de la grâce et de la mort. Jontigini jontamanga. Djara, digne descendant des braves guerriers de Nyola. Adiarila.
la confiance que te portent les hommes et les femmes de Ségou est bien la preuve que Ségou ploie dans les épreuves. Mais que jamais Ségou ne rompt. Djara! Amagoya ila, kele ife, kado minele, kado faka, kele mani dangadena. Djara! Djara kulobakari. Kodana mahayo laidu mokawiyo iye mozo jara hae dana mae iwo jara dana ma jara iye laidu mae fugula mi che chaman kuna ute dana mae gulo kibe che chaman kana ute dana mae kulusi be che chamana ute dana mae wamanyu made kahana laidu tinya go jara dana ma jara iye laidu mae grand bob bob qui portait ce goût du soleil, vous m'avez envoyé en mission, je suis de retour. Au palais de Karta, avant de livrer votre message, je me devais de magnifier ce goût et prôner la grandeur de votre pouvoir. C'est le devoir d'un bon messager. Pour l'avoir fait, ils m'ont menacé de fendre ma bouche et de trancher ma langue. Un messager digne de ce nom doit être prêt à affronter tous les dangers. J'ai répondu que ma modeste personne est sans commune mesure avec la mission dont je suis investi, qu'ils pouvaient trancher ma tête si tel était leur désir. Bravo! C'est des hommes comme toi qui font la fierté de Ségou. J'ai demandé au roi Dessé di Karta, pourquoi a-t-il attaqué Nyamina, la cité des marabouts sous votre protection? Et qu'a-t-il répondu? Je vous ai juré toujours de transmettre fidèlement les messages. Alors parle! Il m'a chargé de vous dire qu'il n'accepterait jamais qu'un fils d'esclave lui dicte sa conduite. Et qu'au Karta, vous ne pouvez prétendre qu'à une place d'esclave au service de ses épouses. Es-tu sûr de tes propos? Sûr et certain. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Mon roi. Djara, digne descendant des braves guerriers de Nyola. Dessé et le Karta trembleront devant la vaillante armée de Ségou. Cependant, Monzon, la sagesse enseigne de ne pas réagir sous le coup de la colère. Atisonye donya ma, fama tisonye donya ma. Atison kokolonge ma, masatison kokolonge ma. Eye mozon, mozonye ka malenye. Eye fama, fama ye ka malenye.
Bonjour, Komotigi. Bonjour, Fama. Je viens pour la consultation. Komotigi, tu es mon féticheur chargé de prédire l'issue de toutes les guerres ou de trouver les solutions pour que bascule la victoire du côté de Ségou. Monzon, nos croyances et nos mythes constituent la fondation de notre société. Les contester, c'est mettre ton pouvoir en danger. Komotigi, je demande ton aide pour venir à bout de décès du Karta. Les fusillades des récoltes et des villages par l'incendie. Les bêtes et les champs par l'épidémie. Lorsque nous transgressons vos interdits. Fétis sacré de Ségou, pourvoyeur de richesses et de puissance. De troupeaux ou d'enfants, car nous sommes dans vos bonnes grâces. De Ségou, ne me cachez rien. Bonjour, bébé, 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 à condition qu'il fasse appel à Salif de Jean. À présent, tu sais quoi faire pour venir à bout du Karta. Ne pas le faire,
c'est renier nos fétiches et se renier soi-même. Je suis là pour évoquer les esprits afin de savoir si mon sang attaquera le corps. C'est ceci de l'avenir de son royaume. C'est pourquoi ensemble, nous chercherons. Cette nuit, je consulterai de nouveau les esprits. Sungura. Est-ce moi la gardienne de la maison? Sungura! Je m'en vais pour ma mission. Attends, j'avais préparé un petit couscous pour toi. Merci. Oui, mère. Je vais répondre à l'appel de Monzon. Ah. Attends-moi. Tiens, ne te sépare jamais de lui. Aussi longtemps que tu le garderas, personne ne pourra te vaincre dans un combat de corps à corps. Maman, merci. Mon fils, autrefois, les hommes ne s'affrontaient que dans les rencontres. Mais les rencontres étaient rares. Partout régnait l'état de guerre et toute la terre était en paix. Mère, depuis mon enfance,
Chaque jour, j'apprends un pan de ta sagesse et de ton immense savoir. Il n'est pas facile d'être un homme. Je m'efforce de te donner tout ce que ton père n'a pas pu te donner avant sa mort. Mais j'ai toujours eu ton amour et cela me suffit. Dans un combat d'homme à homme, mon amour seul ne suffit pas. Que vais-je devenir si t'arrive un malheur? Maman, ne t'en fais pas. Fais-moi confiance. Je reviendrai sous peu. Bonsoir, noble Bambara. Bonsoir. Asseyez-vous. Noble Bambara, je vous salue et vous demande l'hospitalité pour la nuit. C'est une marque d'honneur pour moi d'avoir été choisi. Considérez que cette demeure est la vôtre. Merci pour vos paroles de marque. Pour les Bambara, il est inadmissible de refuser l'hospitalité à une étranger qui n'est pas hostile. Le respect de la tradition dans notre société repose sur des règles et nul n'a le droit de les transgresser. Merci. Fima. Oui. Apporte-lui à manger. D'accord. Avec votre permission, je me rends aux toilettes. Les toilettes, c'est devant vous. Vers la gauche. Merci. Voilà votre repas.
Merci. Ton plat est empoisonné. Surtout, ne le mange pas. Merci, mère. Où est votre mère? Je ne disais pas que je termine de manger. Mais vous n'avez même rien mangé d'abord? C'est parce que je n'ai pas faim. Compte tenu du caractère urgent de ma mission, je vais devoir poursuivre ma route. Pourquoi cette décision? Où est-ce que comptez-vous aller? À Ségou. Je dois répondre à un appel urgent de Monzon. Vraiment, merci pour votre accueil. C'est normal. L'hospitalité est sacrée. Débarrasse-toi de ces plats. Que personne ne les mange. Il ne me connaissait pas. Pourquoi voulait-il m'empoisonner? Mon fils, qui peut savoir les vraies raisons de la méchanceté humaine? Monzon, les hommes et les esclaves de Ségou ne parlent que de toi. Digne descendant de Golo, tu es parfait à cette place. Monzon, tu es le maître des eaux et des Bamana. Tu es le maître de la grâce et de la mort. Aïe, waïe, Monzon, jarala, jaloubi, waïe, nangamadina. Bien.
bienvenue à Ségou. Gens de Ségou, recevez les salutations amicales de tous les habitants de Charo. Salut à toi, Charo Salifou. Merci pour ta promptitude à répondre à l'appel de Monzon. Prends place. Je cherche un volontaire pour combattre le Karta. Mon choix s'est porté sur toi, Charo Salifou, à cause de ton courage et de tes qualités athlétiques pour prendre le commandement de ma troupe. Merci pour cette marque de confiance qui m'honore. Mais une telle responsabilité ne va pas partir par la suite. Je vous demande la permission de repartir à Charo. Une autre réponse de ta part nous aurait surpris. Bravo. C'est des hommes comme toi qui font la fierté de ce goût. Pense surtout à limiter nos pertes en vie humaine au cours de la bataille que te livrera. Pour le reste, tu prends des initiatives utiles. Va te préparer à Charo pour être au rendez-vous de l'honneur à la tête de la vaillante armée de Ségou. Nous serons impitoyables pour tout ce qui trouble la tranquillité et la quiétude du royaume. Monzon, les hommes et les esclaves de Ségou ne parlent que de toi. Digne descendant de Golo, tu es parfait à cette place. Quelles sont les nouvelles? J'ai le nom secret du bon Dieu par lequel je l'implore pour résoudre les problèmes. Alors, implore-le afin que Monzon n'attaque pas le Karta. Je suis ton marabout. Et je te dois la vérité. Que veux-tu dire? Les marabouts que tu as vaincus à Niamina ont prié Dieu afin que malheur te frappe. Que peux-tu faire pour empêcher leur vœu d'être exaucé? Ils ont comme moi les noms secrets du bon Dieu avec lesquels ils l'implorent pour résoudre les problèmes. J'ai confiance en toi. Montre-moi que tu es un vrai marabout. Nous sommes tous de pauvres mortels. Nous prions Dieu, mais c'est lui seul qui décide. Méfie-toi de Ségou. Avant de dormir, chaque fois que je prie ardemment Dieu pour le Karta, je vois dans mes rêves la troupe de Ségou aux portes du Karta. Je suis prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut. Mais implore Dieu pour empêcher que Ségou n'attaque le Karta. Inch'Allah, cette nuit, je prierai de nouveau le bon Dieu. Merci.